Ou ben Lewandowski, Benzema. Moi-même, j'ai un bagage qui est très clair. Benzema et Lewandowski, c'est deux parmi quatre plus gros 9 sous 10 à 12 dernières années. Ça veut dire, c'est deux parmi quatre plus gros 9 sous 2010 pour arriver 2023. Moi, je crois que bataille pour plus gros 9 sous 10 dernières années, là, l'a joué entre Lewandowski, Suarez et Benzema. C'est 3 plus gros 9 sous 10 dernières années. Je ne crois pas que gagne un joueur comme 9 sous 10 dernières années qui fait plus que Lewandowski, qui fait plus que Benzema, qui fait plus que Suarez. Je ne crois que c'est 3 plus gros 9. Quand il y a là, il y a des débats, je ne crois que Benzema plus qu'on joue que ni Suarez, que ni Lewandowski. Ça c'est premier bagage là. Moi, je crois que Suarez plus altruiste que ni Benzema, que ni Lewandowski. Nous, on comme trois font comparaison Suarez avec Benzema et puis Lewandowski. C'est trois pigons 9 sur 10 dernières années. Benzema plus qu'on jouait que Suarez avec Lewandowski. Suarez plus altruiste que Benzema, que Lewandowski. D'ailleurs, Suarez, c'est un plus gros passeur joué là. Comme 9. D'ailleurs, Suarez, par contre, quel 9 sur 10 dernières années là qui va être plus passe que Suarez? Suarez, c'est un joueur qui est meilleur passeur trois fois championnat d'Espagne pendant Messi dans le championnat. Suarez, meilleur passeur championnat trois fois pendant Messi dans le championnat. Ça veut dire, Suarez, son plus gros passeur que ni Benzema, que ni Lewandowski. Par contre, Lewandowski fait plus de goals que ni Suarez, que ni Benzema. Non, moi, je n'ai pas fait bagaille. Suarez, plus altruiste, ils sont plus gros passeurs décisifs. Moi, je dis Benzema, plus qu'on joue que Odea. Moi, je dis Lewandowski fait plus de goals que ni Benzema, que ni Suarez. Kounye là. Tu as toujours gagné des remises en question autour de Lewandowski. Qui compte le faire tout le gol lio? Il y a un monde qui dit, bon, Lewandowski, ce qui compte le faire le gol lio là, c'est, en Allemagne, il a fait yo, il a pompé le gol, par les concurrents, championnat Allemagne, il a fait, Bayern Munich a dominé. C'était sale, parole l'antéi. Et puis, tu as un petit problème avec Lewandowski et tout, même si Suarez a un problème, ça, tout Suarez pas brillant dans la Ligue des Champions, tu as un problème ça, côté que, après match Real Madrid en 2013, Lewandowski n'a pas toujours gagné des matchs de référence dans le football et européen dans la Ligue des Champions. Maintenant, Levin finit par corriger ça avec la Ligue des Champions 2021, côté que il était très brillant dans la Ligue des Champions 2020, on a parlé de Lewandowski. Eh bien, c'était une question ça. D'ailleurs, Lewandowski, après 4 goals qu'il fait contre l'équipe Real Madrid, là, il n'y a pas toujours des matchs de référence. Ça que vient corriger le Bayern pour la Ligue des Champions, côté que c'était la Ligue des Champions Robert Lewandowski, contribution Lyon, goal Lyon, il fait 15 goals dans la Ligue des Champions, ça n'a pas de Robert Lewandowski. Qu'on est là, monsieur Vini, saison ça dans Barcelone, d'ailleurs, on dit ça, dernière fois, il y a un joueur fait plus de 25 goals sous première saison avec Barcelone, c'est Eto'o, 2004-2005. Eto'o fait plus que 25 goals. Ça veut dire que ses derniers joueurs sont premiers en saison. Premiers en saison. Ok? Dernier joueur sont premiers en saison qui fait plus que 25 goals. On a parlé de Samuel Eto'o. Lewandowski, c'est 29 goals. Ça veut dire, en quelque sorte, lorsqu'on est avec Robert Lewandowski, dans la logique, on est qui fait 29 goals son saison, c'est pas plus mal que ça. Mais attention! N'a pas comparé Lewandowski avec Lewandowski. Ça veut dire, c'est joueur, ça n'a pas parlé. Ça veut dire, Lewandowski, hein, c'est pas avec n'importe joueur moyen qu'on va comparer. On va comparer Lewandowski avec Lewandowski. C'est avec Lewandowski qu'on va comparer Lewandowski. On va comparer Lewandowski avec n'importe qui attaque. Ça veut dire, un joueur qui fait une trentaine de goals son saison, dans la logique, il fait une excellente saison. Et dans la logique, Lewandowski, ou capable de faire une excellente saison. Mais quand il est là, toute attente n'est pas comblée autour de Lewandowski. Lewandowski n'a pas rempli le match de référence saison ça. Oui, il a fait un goal contre Inter dans le match retour, mais Barcelone est éliminé. Lewandowski passe à côté contre Bayern. Lewandowski plus passe à côté dans le match Real Madrid. Real Madrid joue contre Barcelone. Aller-retour dans le championnat. Aller-retour dans la coupe. Et puis, je suis en coupe. Lewandowski, c'est non seul match. Il était bon. C'est match qui a été gagné dans la Super Coupe là. Après ça, Lewandowski, bon match que le parage, match 1-0. Mais après ça, Lewandowski passe à côté. On a parlé de Robert Lewandowski. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, contre Atlético Madrid encore, il passe à côté. Ça veut dire, saison ça,
Lewandowski quitte tout le monde sous soif. Pas parce que nous ne respectons pas comme un gros buteur, comme un gros joueur de football. D'ailleurs, moins 19 qui fait plus de goals sur 10 dernières années, plus de goals que Suarez, plus de goals que Benzema. Par contre, saison ça, Robert Lewandowski pas toujours décisif dans un match qui était très important pour Barcelone. Ou mettre dit tout ce que Lewandowski, c'est lui-même qui était meilleur buteur de Barcelone dans la Ligue des Champions. Mais il y a des matchs, Lewandowski, pas sauté sur tête. Et ça a eu un impact sur Barcelone. Sur un match Bayern Munich, Lewandowski passe à côté. Lewandowski a raté au moins deux goals lui, dans le match football. Ça. Et je ne pas croire que Bayern est plus fort que Barcelone, non, sur 45 premières minutes. Bayern lui fait deux. D'ailleurs, Bayern, ça a montré clair qu'il n'y a pas de jambon Bayern. Il était juste rencontré contre des équipes qui sont faibles. Barcelone, c'est une équipe qui est faible. Paris, c'est une équipe qui est faible. Gardez Bayern là, certes, Paris Nagas maintenant gagné répercussion sur l'équipe là, mais on va vous garder. On va vous garder. Regardez Paris, Paris c'est ton petit équipe de football saison ça. Barcelone c'est ton petit équipe de football saison ça. Et Inter bon niveau, Inter pas gagné. Et moi je toujours dis ça. Inter à Milan, m'a retiré un rien sous mérite. Même penser, calendrier en tout, facilité ni Inter ni Milan pour faire demi-finale de Ligue des Champions. Parce que le coup là ou non Ligue des Champions, ou jouer Porto, ou jouer Naples, ou jouer Tottenham, ou jouer Benfica, ça facilite la tâche pour faire demi-finale Ligue des Champions. Contrairement à Claude Boa, ou bien Chelsea qui joue à Real, ou bien Liverpool qui joue à Real, ou bien Paris qui joue avec et Bayern, ou bien City qui joue à Bayern. Pas de gagner bataille ça yo dans l'autre Boa. L'autre Boa c'était une grosse bataille net. Et puis, bon Milan, bon Inter de Milan, il y a des bonnes routes qui étaient faciles pour yo. C'est de ça que je parle. Donc, je ne vais pas retirer rien sur ça. Quand il y a un joueur Lewandowski, c'est joueur ça qui n'a pas comblé attente. Même là, un joueur qui fait 29 goals son saison, son très bonne saison. Mais comparé à Lewandowski que nous connaissons en dimension joueur ça, il n'a pas fait une excellente saison. Surtout, dans un match énorme, 6 mois, tant que Lewandowski n'a pas toujours répondu. Quand il y a la bataille, ça, qui côté le aller? Avant le match football, ça, l'une des médias, Madrilenio, mettez nous gal derrière meilleur buteur. Ça veut dire si nous gal derrière meilleur buteur là, nous connaissons que nous bagay championnat. Il y a pas qu'un champion encore. C'est Barcelone qui va gagner Liga. C'est plus une question de temps pour Barcelone gagner Liga. Eh bien, tout le monde gal jouer pour Benzema. Gal gon forcing là sous Benzema. Et le fait que Lewandowski baisse considérablement, on sentit que avantage psychologique là. Li pour Benzema. Et si Benzema meilleur buteur sur Lewandowski, ou qu'on qui argument pour venir sur table là, ou qu'on qui sac pour venir sur table là. Li était en Allemagne, li t'a fait goal contre une série de tiers qui et ça va regarder. Et puis il vient en Espagne, il va être meilleur buteur. Et il prend une grosse tâche dans carrière Lewandowski. Parce que Lewandowski t'a quitté football allemand. C'est parce que il t'a cherché en concurrence. Et selon agent Lewandowski, bon ami Lewandowski, agent Lewandowski, il te fait qu'on est que you n'a gros envie Lewandowski gagner pour le venir jouer dans Barcelone, c'est pour le montrer Benzema que son plus gros buteur passé. C'est pas moi qui t'ai dit. C'était ancien agent Robert Lewandowski qui dit you n'a souci Lewandowski gagner tout pour le venir jouer dans Barcelone, c'est pour le montrer Benzema que l'incapable meilleur buteur de porte côté et la meilleur buteur sous lit. Pour le prouver, Benzema, c'est lui-même qui est meilleur neuf là. Quand il a perdu le titre meilleur buteur, là, son joueur, qui a une dizaine de matchs ratés, la plus grosse tâche dans la carrière de Lewandowski. Oui, Barcelone est le champion, mais bon, bagage pour regarder, gagner objectif personnel là, qui n'est pas arrivé à atteindre. Pendant que tu as gagné un écart considérable, le Lewandowski t'a fait gol, Benzema s'est blessé, il t'a blessé le patin en boule. Et bien, je dis là, moi dis avant ça, il y a eu un média et madrilène qui sortit une ligne, quoi, c'est As qui sortit une ligne pour dire on noir derrière meilleur buteur là. Ça veut dire que les gens forcing là autour de Benzema, Vinicius, Rodrigo, Asensio, bye Benzema ballon pour le meilleur buteur parce que c'est pratiquement seul objectif dans le championnat que Real Madrid était. Bon, avec aspect collectif question 1 qui s'est terminé deuxième. C'est vrai, Benzema fait 6 goals penalty, Lewandowski m'a collé raté une et il n'a pas fait goal penalty. Mais, je ne vais pas être menti.
qui fait un pile goal dans la compétition mondiale, Coupe d'Europe. Ça t'es meilleur buteur Coupe d'Europe. Ça fait 7 goals, des pénalités là-dedans. Donc même pour moi, c'est un faux débat. Là, on va dire, ah, goal Benzema, c'est pénalité. Il fait non. Pénalité, hein. Faut qu'on mette pénalité, là. Parce que, jouer une pénalité, hein, c'est une, mais c'est mettre l'accélérateur. Je ne sais pas, mais mettez l'accélérateur. Qu'on y est là. Moi, je crois que la bataille va aller très loin. Et forcément, nous avons fait sous Lewandowski. Je pense que Lewandowski a un bon avantage. Pas sous Benzema, non, mais un avantage. Le fait que deux joueurs qui puissent connecter avec Lewandowski ont tourné, Pedri et Dembélé tourné, ils ont fait faisceau tout sous Lewandowski. Même moi, je dis, nous, mon Real Madrid, il sorti une pour dire, nous, allons les meilleurs buteurs là. Je pensais que le fait que Pedri tournait, le fait que Dembélé tournait, ça quand même, pral bail bataille là, il y a une autre dimension. Parce que, nous, allons nous bagaille bien simple. Pas de gain Dembélé dans le reste match capreté, ou pas de gain Pedri dans le reste match capreté, c'est très difficile pour Lewandowski et les meilleurs buteurs. Bien que pour combien de buteurs, mais c'est encore plus difficile. Déjà, son joueur qui a un manque de confiance, et puis dans le temps terrien, ou pas, je ne monte à brasser le ballon, qui a baillé le dernier passe là. Pedri tourné, et puis Ousmane Dembélé tourné, ça quand même a pris un gros balai pour Lewandowski dans perspective pour le meilleur buteur là. Maintenant, si Lewandowski n'est pas meilleur buteur championnat, ça, il y a quand même un gros trou dans la carrière, monsieur. Oui, son joueur qui a accompli. Mais je vois là lui-même, il a des ambitions personnelles. Parce que moi, dis nous ça, ancien agent, monsieur, tu as déclaré que Lewandowski a venu dans le championnat d'Espagne, c'est pour montrer Benzema son meilleur neuf que lui. Ça veut dire pour le meilleur buteur championnat sous Benzema. Quand il y a 11 joueurs qui ont été tout le match qui c'est Benzema pour le David meilleur buteur sous vous, l'étape quand même, il y a un gros coup psychologique qu'on prend. On parle de Robert Lewandowski. Donc, c'est deux balles qui séparent Lewandowski avec Karim Benzema, Lewandowski qui frappe un boule sous poteau. Et bien, bataille, ça a une belle bataille entre deux joueurs de football, Benzema avec Lewandowski. Barcelone qui est censé gagner un championnat, Barcelone censé champion. Kounia là, c'est une bataille pour le meilleur buteur Ligue des Champions entre Robert Lewandowski avec Benzema. Qui côté bataille, ça lui-même libre à aller.